Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle revue de sac à main. Vous l'avez vu dans le titre et la miniature, enfin je vais vous parler du sac de jour baby de la maison Saint Laurent. Des mois après en avoir fait l'acquisition, je vous fais enfin un retour. Ça a pris un petit peu de temps, notamment parce que ce sac, si vous suivez ma chaîne, vous le savez, pour moi c'était un petit peu mon sac goal, dans le sens où j'étais persuadée, on va voir si ça s'est confirmé, que ça serait le sac parfait pour moi au niveau de l'utilisation. Voilà, je dis pas sac goal comme on peut rêver d'un Birkin, Hermès ou d'un Chanel. On est quand même sur autre chose. Mais en termes d'utilisation, je me suis dit c'est sûr que ce sera le sac parfait. Donc j'ai mis beaucoup de temps pour bien le tester et vous faire un retour le plus qualitatif possible. Donc est-il à la hauteur de mes attentes ce sac de jour? On va le découvrir tout de suite, c'est parti. Alors le sac de jour de Saint Laurent est un des modèles les plus classiques de la maison. Donc il s'agit d'un cabas ouvert contenant une pochette amovible dans la plupart des cas à l'intérieur. On est vraiment sur un design épuré, une forme classique. Il y en a qui disent que c'est un petit peu inspiré du Birkin d'Hermès pour le côté petit cabas ou cabas tout court si vous prenez une grande taille. Donc il est proposé en plusieurs tailles. La taille small qui va être un peu plus grande que celui-ci, qui est du coup le plus grand même s'il s'appelle small. Le baby qui est celui-là, ainsi que le nano qui va être plus petit. La maison propose ce modèle dans de nombreux coloris, dont des coloris saisonniers, donc je vais pas tous vous les citer ici, et dans différents types de cuir, donc cuir lisse, cuir grainé, c'est ce que moi j'ai choisi, embossé croco, et une nouvelle fois selon les collections il peut y avoir d'autres dérivés, on va dire que c'est les trois plus fréquents. La bijouterie du sac peut être de couleur dorée, argentée ou full black comme on dit, donc plutôt argenté foncé. Pour ce sac il existe une version rigide et une version souple, je vous en reparlerai un petit peu après, moi j'ai la version dite rigide. Pour certaines versions, la pochette amovible à l'intérieur, je vous la présenterai en détail juste après, n'est pas amovible, elle est fixe. Donc c'est peut-être plutôt pour les anciennes versions de ce que j'ai compris. Donc si vous le cherchez en seconde main, comme moi, faites attention, si vous voulez absolument que la pochette soit détachable, ça sera pas le cas sur tous les modèles. Donc moi j'ai opté pour la seconde main, on parlera du prix à la fin et je vous dirai pourquoi j'ai opté pour cette option et ce que je vous recommande aussi à titre personnel si vous souhaitez l'acheter. Au niveau des caractéristiques, donc on est sur du cuir de veau grainé, c'est plutôt un petit grain, vous voyez de loin, il se voit pas forcément. L'intérieur est doublé de cuir, donc il y a un cuir qui va être lisse par contre à l'intérieur, tout comme la fameuse pochette. La bijouterie pour moi est en métal argenté, dit métal miroir comme ils l'appellent. Bon, il n'y a pas beaucoup, voilà, il y a quelques clous, quelques rivets, donc ça reste assez discret. Et il est vendu également avec un cadenas, que moi j'accroche pas mais je l'ai ici. Donc avec une clochette et un cadenas, un petit cadenas simple qui est comme ceci. Moi j'ai laissé la protection, hein, c'est pour ça qu'il est bleu. Alors en général faut pas les laisser parce qu'il paraît que ça oxyde et tout. Pour l'instant je l'ai laissé mais il faudrait peut-être que je l'enlève. Donc il y a la petite clochette en cuir, le cadenas et également les clés qui sont sur une petite pression comme ça qui permet du coup de les accrocher. Moi je les accroche à la clochette vu que je ne l'utilise pas pour pas les perdre. Mais en fait cette clochette, bon on va mettre les clés évidemment, vous pouvez l'accrocher donc soit avec la cloche, soit avec le cadenas, seulement le cadenas, sur le devant, ce qui fait un peu penser, oui, au sac Hermès. Donc avec la partie en cuir, voilà, pour le laisser pendre sur le devant du sac comme ceci. Moi je le fais pas, je le fais pas non plus avec mes Louis Vuitton, c'est pas trop mon style. Mais sachez que le full set de ce sac c'est ça, donc si vous achetez en seconde main et que vous voulez le cadenas, les clés, faites attention à tous ces détails. Perso moi c'était pas du tout un prérequis mais il l'avait donc bon. Donc comme je vous le disais, ça reste un des modèles classiques de la maison de Saint Laurent. C'est aussi un des modèles les plus populaires parce que c'est vraiment un sac hyper sobre, dont son design élégant, intemporel, qui va pas vraiment, c'est des formes qui se démodent pas, qui sont peut-être pas tout le temps très tendance. En ce moment on n'en voit pas trop des sacs comme ça, mais pour autant qui restent des valeurs sûres et c'est pas non plus pas tendance en fait, c'est juste un cabas carré. Donc on a l'inscription Saint Laurent Paris embossée sur le cuir sur le devant et c'est tout en termes de logo, il ne l'aura pas derrière. Donc je vais vous laisser tout de suite avec la contenance de ce sac, un petit zoom, vous montrer un petit peu comment il est fait, la fameuse pochette et les modes de portage et on se retrouve après pour discuter un petit peu plus de mon utilisation. Donc voici comment se présente le sac de jour en taille baby de la maison Saint Laurent. Comme d'habitude je vous affiche les dimensions à l'écran, donc c'est un sac je dirais de taille moyenne qui est doté donc de deux poignées droites comme ceci, donc on ne peut pas les replier. Sous le sac vous avez 5 pieds qui permet de ne pas abîmer le cuir dessous, une bandoulière qui est ajustable, vous voyez là il y a des petits crochets donc on peut très bien l'enlever ou même la remplacer par une autre bandoulière. L'intérieur se présente comme ceci, bon du coup il est noir donc on verra pas très bien, donc en fait il y a une grande poche principale et vous avez au milieu une pochette amovible. Donc elle est fixée par des boutons pression de chaque côté, ce qui permet de la retirer et soit s'en servir aussi comme pochette pour d'autres sacs, hein, du coup elle est quand même assez plate, soit avoir une plus grande contenance. On peut aussi, au lieu de l'accrocher au milieu avec les pressions, la mettre un peu plus en arrière sans la fixer,
comme ceci. Par exemple, je la mets à l'arrière du sac et comme ça, là, on a quand même une meilleure contenance. Également, c'est un sac qui bénéficie de soufflet, comme on dit ici, ce qui fait qu'on peut les ouvrir pour agrandir un petit peu, vous voyez, la contenance. Là, il y a un passant en cuir qui s'attache devant et derrière avec des pressions des deux côtés. Donc, on peut détacher pour ouvrir, faire jouer un petit peu le cuir et avoir du coup encore une plus grande contenance. Voilà, des deux côtés on peut augmenter la capacité, vous voyez, en détachant un petit peu les soufflets. Pour ma part je le fais pas parce que c'est pas nécessaire, mais ça reste une option possible. Donc j'ai refixé la pochette et je vais vous montrer ce que je peux mettre à l'intérieur. Donc on peut mettre une petite bouteille d'eau, voilà, de ce format, dans ce sens, vous voyez. C'est un sac qui n'a pas de fermeture, donc en fait il n'y a pas de problème de fermeture ou autre avec ce type d'article. Je peux mettre aussi une petite pochette fourre-tout sur la partie arrière également. Un porte-monnaie comme ceci compact. On peut mettre aussi, je pense, un compagnon à condition que ça aille au niveau largeur. Mais c'est tout à fait possible si vous avez un plus grand portefeuille. Téléphone portable, bien sûr. Porte-carte comme celui-ci, hein, de chez Louis Vuitton, lui. Comme il est fin, je peux le mettre dans la petite pochette du milieu. On pourra également y mettre un peigne, un petit miroir, comme ce sont des objets fin et ça évitera de les chercher dans le sac. J'ai encore de la place pour mes AirPods, un petit gloss huile à lèvres, hop, qu'on peut mettre sur le côté. Voilà, les AirPods également. Et en été, je peux mettre un boîtier de lunettes de soleil, ça dépendra un peu de ce que vous avez, mais là par exemple, je peux le mettre hop sur la pochette et ça gêne pas du tout. Il y a encore un petit peu de place ici, mais avec la bouteille d'eau, c'est vrai que ça prend déjà pas mal d'espace. Donc voilà ce que je peux vous dire pour la contenance du sac de jour. On va passer au mode de portage. Donc au niveau des modes de portage de ce sac, avec les deux poignées, on peut bien sûr le porter à la main comme ceci et même peut-être au coude un petit peu si vous n'avez pas de manteau trop épais, vous voyez, bon, ça y a un peu de marge, donc ça peut passer pour le portage au bras ou voilà à la main en long. Et ensuite la bandoulière est réglable, il y a quand même pas mal de trous, assez pratique. Donc évidemment un portage épaule long, voilà, classique, bon, que moi j'affectionne pas particulièrement parce que je trouve ça pas hyper pratique. Et bien sûr le fameux crossbody, c'est un petit peu le but aussi de ce sac, de pouvoir le porter en bandoulière. Donc voilà ce que ça donne pour moi. Je l'ai réglé du coup en fonction de ma morpho pour qu'il tombe ici, donc pas trop bas. Et avec un manteau, on peut adapter la bandoulière parce que forcément il faut un peu plus de largeur quand on a un manteau plus épais. Mais au printemps, en été ou quand on a des vestes plus fines, on peut du coup le remonter facilement. Donc voilà, sur ma silhouette, corpulence moyenne je dirais, je trouve que la taille baby c'est bien. Vous voyez, on a quand même l'avantage de la contenance, un sac moyen mais il fait pas trop gros. Évidemment il y a aussi la taille nano si vous préférez les petits sacs, ou le small mais qui sera plus grand. Moi je trouvais que c'était vraiment la taille idéale. S'il est bien réglé, les poignées ne vont pas me gêner. Vous voyez, si je le mets plus haut, elles peuvent gêner parce qu'on peut pas les rabattre, mais là elles sont souples aussi, hein, donc elles gênent pas du tout à l'utilisation et le sac se place parfaitement bien. Donc moi j'apprécie beaucoup pouvoir avoir, voilà, les mains libres et le portage en crossbody pour ce très joli petit sac. Donc maintenant que vous avez une belle vision globale de ce sac, que vous avez vu un petit peu l'intérieur, ce qu'on peut mettre dedans, c'est-à-dire pas mal de choses, je vais vous parler un petit peu de mon ressenti, mon expérience et de mes observations face à ce sac et aux tests que j'ai pu en faire. Donc on va commencer par l'aspect visuel et la contenance au niveau de la praticité. Donc visuellement, on est sur un sac sobre, ce que j'appelle moi pour ce format plutôt un mini cabas. Visuellement, c'est vraiment le type de sac qui me correspond au niveau esthétique, parce qu'on est sur quelque chose de sobre, qui passe partout, qui est hyper facile à porter, qui est super versatile. Donc moi ça me plaisait beaucoup. Au-delà de ça, c'est pas non plus un design très élaboré, donc c'est pas forcément non plus qu'un coup de cœur visuel. Si je l'ai acheté, c'est aussi parce que je me suis dit la praticité a l'air impeccable. J'aime beaucoup le cuir grainé, je le trouve très résistant. Il est quand même un petit peu lumineux, même si on est sur du grainé, vous voyez là face à la fenêtre, il reflète la lumière. Quand je l'ai reçu, il me semble que j'avais fait une vidéo, je l'avais totalement nettoyé, c'était un peu sale notamment à l'intérieur. Je l'avais crémé avec la crème universelle saphir, ce qui fait que voilà, là il est bien brillant, j'ai pas remis de crème depuis, et il est impec. Vraiment, je vous l'avais montré dans la vidéo, je vous la mettrai si jamais quelque part dans la barre d'infos si j'y pense. Les angles sont pas abîmés, rien du tout, et c'est pourtant une seconde main. Donc plutôt résistant, c'est plutôt un sac qui peut convenir si vous êtes pas très soigneuse je dirais, ou que vous voulez vraiment utiliser vos sacs sans faire attention toutes les 5 minutes. Ce que j'ai aussi apprécié visuellement, c'est la discrétion du sac, de par le fait qu'il y a seulement écrit Saint Laurent Paris de ce côté et que c'est pas le cas de l'autre côté comme je vous l'ai dit, ce qui fait qu'en fait je peux très bien le porter dans ce sens si des situations l'exigent. Et en fait je vais être honnête, c'est un peu ce que je fais le plus souvent, en tout cas quand je prends les transports en commun, je le porte dans ce sens. Alors vous allez me dire, quel est l'intérêt du coup d'avoir acheté un sac Saint Laurent? Le logo est petit, c'est pas l'objectif non plus du sac qui soit tape à l'œil, mais moi je l'ai pas acheté pour
pour qu'il soit, t'as pas l'œil. Donc en fait je m'en fiche qu'on voit pas le logo et que personne dans la rue sache que j'ai un sac Saint Laurent. J'ai envie de dire même ça m'arrange. Donc ça c'est assez pratique de pouvoir juste le retourner, il n'y a aucune modification à faire, etc. Si dans certaines situations je préfère qu'on ne voit pas qui est écrit Saint Laurent. Donc comme je vous le disais, c'est pas un modèle qui va apporter une touche mode à votre look. C'est pas le sac qui va faire la différence sur votre tenue, clairement pas. Mais c'est le sac qui va s'accorder avec tous vos styles. Enfin franchement, c'est pas un sac qui va faire très classique comme certains cabas qui, oui, peuvent avoir un style classique, bourgeois ou quoi. Il va très bien quand je m'habille un peu plus rock. Aujourd'hui j'ai un pantalon en cuir, je mets pas mal de perfecto et compagnie. Ça va pas dénoter, on va dire, on va pas avoir l'impression que j'ai un sac trop sophistiqué par rapport à ma tenue. Mais quand je suis habillée plus élégant, je mets des robes, des bottes, des trench ou des longs manteaux, ça passe aussi parfaitement. Le portage peut aussi changer. Si j'ai envie d'être dans un mode un peu plus voilà sophistiqué, une nouvelle fois élégant et compagnie, en fait le fait de le porter à la main, ça va donner une allure différente que si je le porte en crossbody. Et c'est vrai que parfois je le porte à la main, enfin notamment le week-end et tout, quand j'ai comme ça ces styles un peu plus peut-être féminin et tout, moins casual que peut-être pour le quotidien ou pour aller travailler, j'aime bien le porter à la main parce que du coup ça rappelle un peu, avant on portait beaucoup les sacs à la main en fait, et ça fait un petit peu plus, un peu comme bah en fait le Birkin, ouais, typiquement pas le porter en bandoulière, c'est bien parce qu'il y a une vibe sac très élégant, peut-être preppy, donc là dans ce cas là j'aime bien faire ça, mais du coup je le trouve hyper versatile dans ce sens. Mais une nouvelle fois je le trouve plus moderne que certains sacs qui font très classique. Pour la contenance, personnellement je trouve qu'un mini cabas de 26 cm c'est l'idéal parce qu'il y a beaucoup de possibilités. Donc moi j'y mets tous mes essentiels, je vous ai montré, même un peu plus si vraiment que mes essentiels il est pas rempli. Donc c'est cool parce que bah ça laisse de la place si je sais pas, je dois passer à la pharmacie acheter une boîte de médicaments, bah je peux la mettre dans mon sac, je suis pas là à travailler ma tote bag et tout ou autre, mais je peux le remplir aussi quand j'ai besoin d'un peu plus. Le fait que la pochette soit amovible, ça me permet d'avoir toute la contenance du cabas où je peux la mettre comme je vous l'ai montré un peu sur l'arrière. Je peux prendre un livre, ma liseuse, c'est pas mal voilà si on part en déplacement etc, on peut mettre un petit peu plus si je dois prendre, je sais pas, un plan de je ne sais quoi. Pour moi, mon utilisation, je trouve que c'est la contenance idéale. Si vraiment vous mettez quasiment rien, prenez plutôt la taille nano. Si vous mettez plus de choses, prenez la taille small. Alors moi j'ai pas de tablette, d'iPad et tout, je pense qu'honnêtement un iPad classique peut rentrer dedans. Au sujet de l'utilisation pure et dure, donc comme je vous le disais, moi j'avais l'espoir que ce soit mon sac parfait et j'avais beaucoup d'attentes sur ce sac, et quand je l'ai reçu en fait c'était un petit peu avant l'été, donc je l'ai très peu porté parce que bah il est noir hein, donc en soi oui c'est la couleur qui va avec tout, mais l'été je préfère favoriser d'autres sacs. Si vous suivez mes vidéos vous savez lesquels, je vais pas m'étendre, mais dans des couleurs bah, plus claires, un peu plus estivales, que je porte vraiment pas du tout en automne-hiver. Donc je préfère vraiment porter ces sacs à fond pendant la saison estivale. Donc je l'ai un peu mis de côté, je l'ai porté un petit peu quand même, mais après je l'ai vraiment réservé pour l'automne-hiver pour en profiter pleinement. Et est-ce qu'il a rempli son objectif de sac parfait que je peux prendre en toute occasion? La réponse est oui, pour les raisons évoquées, le côté, le design qui voilà est hyper passe-partout, la contenance qui est bonne. Il y a une réflexion quand même, un point négatif que j'aimerais soulever, que vous avez soulevé quand je vous parlais de ce sac, c'est le fait que ce soit ben, un cabas ouvert. Il n'y a pas de fermeture possible, il n'y a pas de fermeture éclair, il n'y a pas même de petit bouton clip pour le clipser. Non, c'est souvent le cas avec ce genre de cabas. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est fait pour être porté ouvert et pour garder la structure. Si on met une fermeture éclair sur ce type de cabas, ça veut dire qu'il faut forcément mettre du tissu. Parce que si on met juste la fermeture éclair, vous allez fermer ça, qui va faire comme ça, il va être tout aplati. Donc il faut mettre du tissu et compagnie. Du coup ça augmente aussi le prix du sac. C'est pas forcément plus esthétique. On peut mettre un bouton pression, mais au niveau de la conception c'est pas fait pour. Mais j'avoue que c'est vraiment le point négatif de ce sac, c'est qu'on ne peut pas vraiment le fermer et le sécuriser totalement. Je sais que ça compte beaucoup pour beaucoup d'entre vous et que c'est un frein pour vous à l'achat de ce sac. Donc oui, effectivement, j'ai constaté que moi ça pouvait être un souci. Si on le remplit un petit peu, en fait, là vous voyez, bah, il tient quand même assez fermé. Et là il est vide, évidemment. Du coup ça va écarter un petit peu. Donc il y a une accessibilité hyper facile aux affaires d'une main. Donc ça c'est super, hein. Si vous êtes sous la pluie, vous avez le parapluie, tout, vous galérez, vous n'allez pas galérer à trouver vos affaires. Mais pour le côté sécurité, oui, il va falloir faire un peu plus attention. Dans les transports en commun, etc. Souvent, moi, je mets ma main, pas pour cacher le logo, mais vous voyez, pour bah, fermer le sac. Je fais hyper attention moi, à mes affaires dans le transport en commun parce qu'on m'a volé une fois, on a failli me voler mon téléphone aussi. Donc, déjà que j'étais parano, je le suis encore plus. Il va falloir faire attention selon votre mode de vie, votre lifestyle. Évidemment, si vous déplacez qu'en voiture et tout, c'est pas le même sujet. Mais ça, c'est vraiment le point négatif principal que je relève sur ce sac et le seul, à vrai dire. À part son prix. Donc même si je l'adore, je dois partager avec vous, et oui dans certaines situations ça m'a un peu saoulée et je me suis dit il se ferme pas, faut que je fasse super gaffe. J'ai pas mal porté quand c'était Noël et tout, qu'il y a beaucoup de monde en ville, qu'on fait les magasins pour faire les achats de Noël et compagnie. Il faut être vigilant, donc c'est pas forcément super agréable. Ensuite comme je vous le disais, il y a une version rigide de ce sac et une version souple. Donc moi j'ai choisi la version rigide. J'ai pu voir les deux.
J'ai pu les voir en vrai dans des boutiques à tous ou dans des boutiques de seconde main. La version rigide, qui ne l'est pas tant que ça, comme vous le voyez, hein, le cuir reste quand même souple. Quand je dis rigide, on n'est pas par exemple sur le Sunset de Saint Laurent, qui est un sac à rabat hyper rigide, ce qui est son principal défaut, hein, remonté par les utilisateurs, où vraiment rien ne bouge sur le sac, c'est vraiment pas hyper agréable. C'est un rigide, bon, semi-rigide, moi je dirais. Le souple, le cuir est beaucoup plus mou, il n'est pas non plus énormément mou, mais moi je trouve qu'il, de ceux que j'ai pu voir, je trouve qu'il a tendance à plus vite s'affaisser, c'est pour ça que je voulais pas ça, donc si vous cherchez en seconde main, faites aussi attention, parce que le cuir est plus mou et du coup il pourrait, notamment ici, là je peux pas parce qu'en fait la structure est faite comme quoi il est rigide, donc voilà, là ça peut s'affaisser et ici au niveau du cuir aussi. Un peu comme les Birkin. Une nouvelle fois, on retrouve quand même pas mal de similitudes. Je voulais pas trop croire à cette histoire que c'est un peu genre le Birkin de Saint Laurent, mais en vrai, c'est un peu quand même ça. Donc moi, personnellement, j'ai fait le choix du rigide comme pour qu'il garde comme ça sa structure. Et je ne le conserve pas rembourré, ni dans un dust bag, parce qu'en fait, je l'utilise très souvent. Donc il est juste tout le temps dans mon bureau, comme ça, à vide si je le mets pas. Je le conserve pas du tout rembourré ou autre. Ce que je vous conseille, si c'est un sac que vous n'utilisez pas beaucoup, bien sûr, faut le rembourrer, le mettre dans un dust bag et compagnie. Mais moi, voilà, je le conserve comme ça, debout. Et il a pas du tout, alors que cet été, je l'ai quasiment pas utilisé, mais il était conservé de la même façon. Sauf que je mettais en dust bag, mais voilà, debout, sans rien. Il s'est pas du tout abaissé. Donc faites attention. Pour les repérer en seconde main, je vous mettrai une photo ici. Sachez que les souples, ils ont des rivets, ici. Des petites pièces métalliques. Voilà, donc comme ça, vous pouvez les repérer d'un coup d'œil, parce que des fois, sur les annonces, c'est pas précisé, on sait pas trop. Je vous mettrai une photo, comme ça, vous verrez de quoi je parle. Là, il y a rien, et les autres, il y a un rivet. Alors, on va parler du rapport qualité-prix. Donc le sac de jour Baby de Saint Laurent est vendu à l'heure où je filme, il y a des augmentations de prix bien sûr tout le temps, 2300€ neuf sur le site de Saint Laurent. Moi je trouve que ce prix est beaucoup trop élevé. De façon générale je trouve que Saint Laurent ont beaucoup trop augmenté leur prix, parce que oui les sacs sont bien, les sacs sont sympas, ils sont de qualité, leur principal atout c'était qu'ils restaient accessibles. Là on en est au-delà des 2000€, le sac est qualitatif vraiment, enfin j'ai rien à dire, les finitions sont impeccables. En plus comme je vous dis c'est une seconde main, elle l'a porté la fille, hein, parce que dedans il était plein de poudre et de maquillage. Donc j'ai dû le nettoyer, il n'y a pas de rayures sur les angles, il se tient, enfin tout va bien. Mais c'est quand même un petit peu élevé au niveau du tarif je trouve. Et surtout, au-delà de ça, la cote en seconde main est juste catastrophique sur ce sac, c'est-à-dire que les prix sont très bas. Donc moi personnellement c'est pour ça que j'ai choisi de faire l'achat en seconde main, surtout qu'on en trouve dans des états voilà comme ceci. Si on en trouvait que dans des états affreux, franchement je serais allée vers le neuf, mais là c'est pas le cas. Et en seconde main la décote est incroyable. Là si je le revends aujourd'hui, encore je l'ai pas payé cher. Peut-être que je pourrais retrouver ma mise de départ parce que je vais vous dire qu'on avait payé 1000€ de moins, hein, clairement que le prix neuf, donc comme j'ai fait une super affaire peut-être, mais voilà, clairement j'ai acheté pour le porter parce que je sais qu'il y a une grosse décote et surtout on en trouve plein. Voilà, les noirs comme ça, classiques de cette taille, cuir grainé, on en trouve plein. Donc forcément, moi je trouve que c'est pas forcément une bonne idée d'aller sur le neuf, sauf si vous avez vraiment les moyens et que vous aimez pas la seconde main. Je sais qu'il y a des personnes qui ont un petit peu de mal avec ça. Donc même si tout me plaît chez lui, je vous recommande vraiment la seconde main pour ce modèle. Alors moi, ma perle rare, je l'ai trouvée sur Vestiaire Collective. Je l'ai payée en tout, je regarde mes notes du coup parce que j'avais mis un petit peu de détails, 1220€. 1220€, frais de port compris et frais d'authentification compris. Je vous recommande de prendre l'authentification sur Vestiaire Collective, surtout pour ces sacs qui sont facilement copiables. Sachez que le numéro de série, en tout cas sur ma version, il est à l'intérieur de la pochette sur une pièce de cuir. Apparemment c'était pas le cas sur toutes les versions au début, certaines années certaines m'ont dit oui mais moi il est à l'intérieur du sac, renseignez-vous pour savoir. J'ai fait aussi des vérifications moi-même hein, sur internet. Si vous tapez authentifier sac de jour Saint Laurent, vous allez trouver des articles avec des tips à vérifier, mais moi j'ai pris le système d'authentification. Donc à la base la vendeuse le vendait 1300€ ce sac, donc moi j'essaie toujours un petit peu de négocier et finalement on s'est mis d'accord sur 1235€. Alors là vous allez me dire comment ça se fait que tu l'as payé encore moins cher que ce prix. Il y avait une offre à ce moment-là sur Vestiaire Collective, je sais pas si c'était un code promo ou des fois il y a des offres vous savez avec des réductions, ce qui fait que j'ai pu l'avoir moins cher et avec les frais de port et tout ça m'a donné 1220€, donc encore moins cher que ce qu'elle avait mis en vente à la base, donc j'étais hyper contente. Ce qui fait que j'ai fait une économie de 1080€ par rapport au prix neuf. Vous vous rendez compte, c'est énorme, c'est presque la moitié du prix et le sac est impeccable, si ce n'est un serveur qu'il fallait nettoyer, mais on en trouve vraiment plein des impeccables super facilement et de plein de couleurs. Alors j'ai un doute maintenant, je suis pas sûre, pareil pour la bandoulière, peut-être que sur les premières versions il y en a qui sont pas réglables, il me semble que c'est ça, à vérifier parce que du coup ça fait un petit moment maintenant que je l'ai acheté donc je suis pas très sûre. Mais je crois que sur certaines versions elle était pas réglable, donc faites aussi attention à ça, la pochette amovible, la bandoulière réglable, peut-être pour les plus anciennes versions, je suis pas hyper sûre de ça, mais voilà, soyez vigilante sur tout ça parce que la bandoulière réglable c'est quand même la base pour un sac à esprit. Donc super affaire pour ma part, je suis hyper contente de ce sac, franchement il répond à toutes mes attentes, je regrette pas du tout, je l'avais un peu glorifié dans ma tête et il m'a donné satisfaction, je suis pas du tout déçue. Donc on va finir avec un petit tour des points positifs et des axes d'amélioration pour faire
faire un petit résumé sur ce que je vous ai dit. Donc au niveau des points positifs, le cuir grainé, comme je vous disais, très résistant et quand même très joli, pas non plus grainé mat. Il y en a, ils ont des fois un aspect un peu gomme qui est pas très esthétique, je trouve. Là c'est pas du tout le cas. Le format que je trouve moi parfait pour emporter ses affaires au quotidien et même un peu plus, je trouve vraiment c'est la taille idéale. Et sur la silhouette, je trouve que c'est un sac qui peut aller à pas mal de silhouettes. Que vous soyez de corpulence moyenne, plus forte, menue, petite ou grande, ça choque pas. Même sur les personnes petites, bah il fera forcément plus grand, mais je trouve pas ça choquant. Une nouvelle fois, sinon il y a la taille nano, et si vous êtes grande, c'est pareil, c'est assez versatile. En fait, c'est vraiment la taille parfaite, selon moi. Autre point positif, je vous parlais du design élégant et intemporel, sans être spécialement fashion non plus, mais moi c'est pas trop ce que je recherche. La bandoulière, si elle est réglable une nouvelle fois, ça permet vraiment de s'adapter à toutes les saisons, aux vêtements que vous avez et à vos morphos. Et le logo discret, pour moi c'est vraiment un avantage, le fait qu'on puisse aussi le retourner facilement. Et au niveau des points d'amélioration, comme je vous le disais, le fait qu'on ne peut pas totalement sécuriser le sac avec une fermeture, il faut le savoir, et son prix neuf que je trouve vraiment très élevé, il va continuer d'augmenter, mais l'offre en ce moment est vraiment superbe, donc voilà. C'en est tout pour ce sac, j'espère que j'ai fait le tour, je pense que j'ai fait le tour. Si vous avez des questions à son sujet, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, j'y répondrai autant que possible, comme toujours. Dites-moi ce que vous pensez du sac de jour de chez Saint Laurent, vous pouvez me faire votre petite revue en commentaire. Est-ce que vous l'aimez, est-ce que vous l'aimez pas? Si vous l'aimez pas, c'est pas grave, hein. On n'a pas tous les mêmes goûts, hein, bien évidemment. Ça reste une nouvelle fois très classique, je sais que c'est pas un sac qui plaît à tout le monde, même si moi je le trouve assez idéal pour un maximum de personnes. Voilà, on peut pas tous toujours aimer les mêmes choses, mais je trouve qu'il a beaucoup d'atouts. Objectivement, si je pose les choses, tout ce que je vous ai expliqué, il y a quand même beaucoup de points positifs qui sont très factuels en fait. Il y a les pieds en tout pour protéger le cuir, ouais, tous ces petits détails. Des fois on peut trouver des choses à dire. Il a quasiment tout sauf le système de fermeture. Donc pour moi il a vraiment coché plein de cases. Donc j'ai hâte d'avoir vos retours sur ce sac en commentaire. Si vous l'avez, n'hésitez pas à partager votre expérience pour les personnes qui hésitent peut-être à l'acheter. Ça fait un complément aux éléments que j'ai donné, donc c'est super important et ça aide vraiment les gens. Les gens lisent vos commentaires aussi, hein. Donc vous les écrivez pas pour rien, moi je suis ravie de les lire, mais il y a d'autres personnes que ça aide beaucoup à chaque fois. Et ça c'est vraiment un peu le but de ces vidéos. Donc n'hésitez pas à partager tout ça avec nous. J'espère que ce contenu vous a plu et que vous aurez pu trouver toutes les informations sur le sac de jour baby de chez Saint Laurent. Vous pouvez liker la vidéo si elle vous a plu et pourquoi pas vous abonner à ma chaîne si vous en avez envie et si vous avez envie de m'encourager. Pour ma part, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao.